just honored and happy to be here, and to I already start crying when I just see the sunrise. Yeah, it just feels great. 1, 2, 3. The first 20K was really nice because you could see all the other runners just spreading out, this stream of runners. So there was always somebody in your sights up until the first checkpoint. And then it was after that point everyone did spread out more. So that was really nice. Old necklace, rock reckless, never gonna stick by the rules. Et les paysages à perte de vue, on ne sait pas où on va, on avance, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On voit une dune et puis on se dit ah, bah, peut-être qu'on aura un sentier, finalement pas du tout, ça continue. When it's flat, you can see a very long distance ahead and it doesn't really get any closer as you carry on. So I think you have to be very strong mentally for this race. I think it's about immersing yourself in the environment and the experience. And it's a desert, it's hot, it's barren, you're not going to see much. You know, with a race of that size, people are going to spread out, so you probably won't have company for a lot of it. Il me reste 20 kilometers. Bon, un petit semi-marathon. Il y a les chameaux, il y a les chiens. Ça fait peur. Mais heureusement, je suis bien accompagnée avec mes amis et tout. Allez, ciao, bye bye. Le moment très fort, c'est quand je suis arrivée au ravitaillement du 80 km. Que je me suis dit, bon, ça y est, je peux finir, j'y suis presque. Je me fixais des petites échéances de balise en balise et puis après, arriver au checkpoint, là, c'était quelque chose. Et à chaque fois, j'étais très émue d'arriver au checkpoint parce que je me dis, waouh, t'es déjà là alors que t'as jamais fait plus de 42 km et finalement, tu te retrouves à faire presque le double.